Oui. D'accord, si c'est là, le truc, l'USB, machine. Les quatre côtés blancs cassés, là, ça avait le même tissu que les autres tracés. Ou bien ça avait sans bouton. Tu as dit quatre côtés blancs, les quatre côtés blancs cassés. Les quatre côtés peuvent attendre à mon retour. Mais c'est le blanc, c'était immédiat. Je dois partir avec ça aujourd'hui. Bonjour, je ne vous voyais pas. Vous êtes là. Connectez-vous, c'est chaud, chaud, chaud. Bonjour. Super. Ça est un peu chaud pour vous aujourd'hui. Je dois copier le lien de ce direct et envoyer dans le groupe. Bonjour, bonjour. Ok. Bon, je suis là pour vous annoncer des choses. Vous savez, on vous a trop... On vous a trop sous-estimé. Beaucoup même. On est. Je vais lire une personne ici. Message que j'ai pour toi aujourd'hui. On t'a sous-estimé, mais tu es en train de te raffiner. Tu es en train de te raffiner. Tu es en train de te raffiner. Fais comme ça. Faites alors. Je suis en train de me raffiner. On m'a sous-estimé, mais je suis en train de me raffiner. 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 Ah! Oh, ma chérie. Ma chérie, oh,
Tu dois pouvoir prophétiser sur ta vie. Oh. Prophétise comme la reine Josine t'a appris. Oh. Sinon, on va venir pour vouloir te faire descendre. Oh. On va vouloir te rabaisser. Oh. Mais je dis que c'est la fin. Oh. C'est fini. Oh. Oui, entre. Merci. On vous a trop manqué de respect. On t'a simplifié. Qu'est-ce que la petite fille là peut faire? Tu vois, quand tu as quitté le père de tes enfants, hein? Tu as quitté le père de tes enfants. Quand tu l'as connu, tu venais d'une famille pauvre, non? Lui venait d'une famille riche, non? Tu croyais que tu n'allais jamais avoir le terrain? Que tu n'allais jamais partir en bain? Les premières visions de ta vie, c'est même lui qui te les suggère. C'est lui qui te dit, mais est-ce que tu sais que tu peux... Mais mamie, tu l'as déjà même laissé derrière avec ses peurs là. Tu es loin. C'est maintenant toi qui le tire même pour dire que est-ce que tu sais que tu peux. Maintenant, tu te disciplines comme une malade. Écoute, ma chérie. Quand tu as eu l'enfant avec leur famille, ils sont moqués de toi, non? N'est-ce pas? Souvent, quand l'enfant partait, je te disais, ah, ta mère n'a pas l'argent. Parfois, on te faisait des mots, on te maltraitait parce qu'on savait que tu n'as pas l'argent. Elle va partir où? Elle est là. Elle va partir où? Elle ne peut pas partir. Ma chérie, attendez, sonne ma cloche d'abord. C'est là, ta vie va commencer maintenant. Tu te raffines, ma chérie. Tu te raffines. On t'a invité, non? On t'a invité, non? Est-ce qu'elle connaît s'habiller? Et le jour où tu as vu sa nouvelle femme, tu disais, ah! Le jour où tu as vu sa nouvelle femme, tu disais, mais il a raison. Qu'est-ce qu'il pouvait même faire avec une femme comme moi? Ah, ma chérie. Hey! Écoute, ta saison de raffinement a commencé. Ma chérie. Tu vas devenir plus riche que les gens que tu considérais riches avant. Quand on vous dit souvent les choses, écoutez, moi je suis votre part de prophète. Je suis ton prophète. Dieu m'a envoyé dans ta vie pour prophétiser sur ta vie. Il veut que ta mère vend les beignets. Ta mère vend le pain haricot. Que tu es une fille de bas quartier. Tu vas devenir plus riche que les gens que tu considérais riches. Elle est riche. Depuis quand vous êtes dans le quartier comme ça, tu voyais le château là-bas. À l'époque, quand tu étais encore petit, tu voyais que ça ressemblait au château. Aujourd'hui, tu dis que ah, n'est pas ces trois chambres. C'est un duplex de trois chambres, non? Ils ne savent pas à qui se sont attaqués. Tu vas regarder, tu vas dire waouh. J'ai évolué. Parce que malgré le fait que tu n'avais pas physiquement, mais tu avais la classe. Tu avais la classe. Tu avais la classe. Et à chaque fois, on te bloquait toujours pour que tu n'oses pas avoir de grands projets. Pour que tu ne dises pas que oui. Pour que tu ne dises pas que non, je veux faire telle chose. On te bloquait toujours à ce niveau-là. Oui.
Entre donc. Quoi ça? Tu prends comment? Prendre quoi? Le sol ou bien? Non. La maison de la maison de Randa. Oui. Si on veut aligner avec la part, c'est que ça doit être côté. Ah non, pas de problème. On met comme ça. Oui, aligner avec ce que tu dis là. Oui, demain. Mmh. D'accord. Tu avais la classe. Et quand tu avais cette classe-là, parfois ce qui te dérangeait, c'est que tu te disais que ah, ce que mes idées ne peuvent pas porter, parce que la preuve, j'ai la classe dans ma tête, mais physiquement, je n'ai pas l'argent. Ça te cassait le moral avant. Maintenant, je viens t'annoncer que, ma chérie, en fait, le Seigneur me demande de dire à quelqu'un ici là de souvent rester et regarder les films, les documentaires sur les stars. Tu vois, il y a un documentaire que Vogue fait. Vogue va dans les maisons des stars. Ça demande que, ok, faites-nous visiter votre maison. Va là-bas, tu regardes. Je crois qu'il y a Rick Ross qui a construit une costaud de maison. Rick Ross. On dit qu'il y a une maison que même les studios d'enregistrement, les maisons de production viennent de demander pour faire les films là-bas. Je déclare que votre esprit va s'ouvrir pendant ce jour. Votre esprit va s'ouvrir tellement. Je déclare que ton esprit s'ouvre. Tu n'as pas seulement un manoir, tu as 2, 3, 4, 5 sur plusieurs continents. Tout c'est la vision. Tu peux sortir de Bafoussam comme moi, ma chérie. Tu te retrouves aux États-Unis avec 4 maisons. Pourquoi quand vous arrivez en Europe, vous voulez seulement acheter une maison? Même la maison là, tu achètes ça en 50 ans? J'ouvre ton intelligence. Je restaure ta vision. Que cette vision s'ouvre. Que cette vision se répande. Pourquoi tu voyais les gens quand tu étais petit? Tu vois les gens avec la voiture. Ça t'impressionnait. Maintenant, tu auras même 5 voitures comme ça garées dehors. 5. Ça ne te dérange plus. Je vous restaure. Vous savez, parfois, vous pouvez rester comme ça. Et c'est le changement de tes pensées qui va faire que tu entres dans ta nouvelle personne. Il y a une nouvelle femme en toi qui veut sortir. Il y a une nouvelle femme en toi qui veut sortir. Cette nouvelle femme-là est raffinée. Elle pleure par l'argent. Cette nouvelle femme, elle demande telle somme d'argent pour ses business, on lui donne. Cette nouvelle femme achète, elle aménage son espace, c'est beau. Elle achète de beaux vêtements, elle porte. On ne la minimise plus quand elle passe quelque part. Cette nouvelle femme est riche. Écrivez, je suis riche. Chuchotez par écrit, je suis riche. On ne crie pas. On ne crie pas que je suis... Non. Dis-je, je suis riche. Je suis riche.
Je veux voir celui qui va chuchoter. Je veux voir si tu arrives. Non, Sandy, tu as crié fort. Tu as crié. Manu, tu as crié. Anelka, chuchoter. Vous n'osez pas chuchoter, pas écrire. Vous tous là, vous criez. Ça, c'est les cris que je vois depuis. Quand on dit je suis riche, ça n'a pas de sexe quand même. Femme ou homme peut dire je suis riche. Tu vois, avant, quand tu t'asseyais avec les gens de ton quartier, vous disiez que ah, on va aller dans le quartier des riches. Non, ma chérie, tu vas acheter la maison. Tu vas acheter les maisons dans le quartier des riches. Les maisons. On dit ça, c'est pour qui? C'est pour Stéphanie. Ça, c'est pour qui? C'est pour Gaël. Ça, c'est pour qui? C'est pour Karine. Ça, c'est pour qui? C'est pour Marie. Loyer mensuel, 1 million de francs CFA. Florence, tu cries, je suis abondamment riche. Non, non, non. Les riches n'ont pas besoin de dire qu'ils sont abondamment riches. Même quand le riche te dit qu'il est riche, il chuchote seulement. C'est le pauvre qui vient avec les Louis Vuitton. Il se met dessus TikTok. Il met les liasses de billets. Le riche marche avec assurance. Il vient même au bureau avec sans confiance. Et le genre de classe que tu cherches, c'est une classe qui fait que tout chez toi devient raffiné. Même tes enfants deviennent raffinés. Tes goûts, ce que tu manges, ça change. Ça devient raffiné. Tu manges sain. La souffrance est terminée, ma chérie. Que soit. Quand tu grandissais, tu regardais, tu disais que ah, les enfants des riches. Maintenant, un jour, tu vas rester sans regarder tes enfants, tu vas dire hey. Mais mes enfants sont les enfants des riches. Dis d'ici là que mes enfants sont les enfants des riches. Allez, écrivez un peu. Si tu es malade, je m'en fous. Je suis dans ma recherche, c'est moi qui sens que je suis malade. Continue de déclarer que tu es malade. Bonne maladie. Écrivez ici, mes enfants sont les enfants des riches. Sam, il va te bloquer. Je cherche mon téléphone, il va te bloquer. Tes enfants sont les enfants des riches. Et dit que tes enfants sont les gens des riches, ça veut dire que tu es. Ça veut dire que quoi? Par déduction, tu es quoi?
Hier, je restais comme ça, marchant, je me disais, waouh. J'ai vu, voilà, je suis passée devant Rochelle College. Je suis passée devant Rochelle College. Devant, il y avait les enfants de Rochelle College. Et le, vous savez que la pension là-bas, ça commence à 2,5 millions en montant. Donc, je monte, j'arrive à Laval. La pension à Laval, bon, ceux qui connaissent la pension de Laval, vous écrivez ici. Et Dieu commence à me montrer, regarde les enfants là, regarde ceux-là. Tu vois les enfants de Laval et puis il y a c'était en tenue, c'est comme c'est le lycée de Makepe. Les enfants du lycée de Makepe étaient noirs. Ça veut dire que le soleil les a touchés. J'ai pas envie de rire, mais ça c'est l'endroit où je fais. Hey! Je ne me moque pas de quelqu'un, j'ai fait seulement un constat. Maintenant, je regarde les enfants de Rocher. Tu vois les enfants que la clim a tellement rendu leur peau, comme les peaux des bobos. Tu vois un enfant comme ça, il est noir, mais sa peau est un peu fraîche là. Et tu voyais, il y en avait devant le portail, ils étaient en babouche. Tu vois les babouches Adidas là, non. Ça se fait maintenant, ça, il y a des traits sur ça. Il y avait des babouches, il y avait des chaussettes. Tu vois les enfants relax, en suvette là. Le Saint-Esprit me dit que là, c'est les enfants que le chauffeur est en train de les attendre à côté là-bas. Après, on voit les autres en haut là-bas en train de sucer la chaussette, en train de marcher. Il dit que voilà, ceux-là, ils vont aller prendre le taxi, ils vont discuter, même les motos, ils vont les bâcher sur la moto. Là, il dit que waouh! Et après, j'ai poussé encore ma réflexion plus loin. On en veut aux riches, mais certains riches, leurs enfants n'ont même pas besoin de travailler. Donc, quand l'enfant part à l'école, c'est seulement pour ne pas se mélanger. Il ne veut pas que son enfant se mélange aux pauvres. Tu vois un peu? Et c'est ce qu'il disait, ça va toucher les pauvres, ça va leur faire mal. Si tu es pauvre, je t'en prie, désolé. C'est pas de ma faute si tu es pauvre. Ok. Le riche, quand l'enfant finit ici, même s'il a 4 enfants en Europe, 25 millions par enfant par année, il s'en fout. L'enfant arrive. J'ai un ami d'un parent riche. On a grandi à Bafoussam ensemble. Son père, c'était l'un des premiers riches de Bafoussam, très, 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 très riche. Et je me rappelle, eux, ils partaient au Saint-Thomas. Quand ils ont fini, on a fini, j'étais au lycée bilingue, lui était au Saint-Thomas. On se connaissait parce que leur père avait conçu un château dans notre quartier. C'était à Kamkop. Vous savez que Kamkop, à l'époque à Bafoussam, Kamkop, c'est le quartier des riches. Michel, les pauvres se reconnaissent. Ne viens pas parler, parle pour toi. Les pauvres se reconnaissent. Je parle de quoi là? Que nul n'est pauvre dans ce coup. Parle pour toi. Continue ma chose. Bon, on s'est perdu de vue, il est parti aux États-Unis. Non, il est parti au Canada. Moi, je suis parti en Belgique, après je suis parti en Angleterre, et puis je suis rentré au Cameroun. Quelques années plus tard, on se reconnecte. Il m'invite à une fête, j'arrive là-bas, c'est tout dans un des grands, donc, tu vois l'appartement, tu vois un jeune homme, il a le même âge que toi. Il est avec sa femme, ils sont mariés, ils ont un enfant. Tu sens comme le mariage là, c'est le père qui a payé. Hein? C'est le père qui allait doter la femme pour lui. Tu vois l'appartement, tu sens que gars, tu vois la voiture en bas. Tu regardes, tu dis que, yeah, Seigneur, ça c'est à l'époque, il était encore pauvre. Que Seigneur. Et quand je regardais comme ça, j'avais cette sensation qui me revenait. J'ai grandi dans des conditions précaires, pauvres, pauvreté. Et on partait souvent dans les quartiers des riches. Kamkop, tu connais, tu viens de Bafoussam, de l'Enkat. Ok, avant. Et t'es à Tonganville. Après, je suis parti vivre à Kamkop. Donc,
Vous savez, il y a les soucis que les enfants des riches n'ont pas. Tu vois, quand tu rencontres ton gars, vous êtes là, oh, vraiment, ouais bébé, je ne t'épouse pas parce que je n'ai pas l'argent. Ouais bébé, hein, bébé, on se marie dans 15 ans. Le temps que je finisse d'abord ça, après, même pour acheter la voiture, il marche à pied, jusqu'à ses pieds, ça, là je suis finie. Ouais bébé, non. Donc nous voici, on cause, là c'est en 2019. Il m'amène chez un de ses potes, ils sont en réunion. Les voitures qui étaient garées d'abord en bas, dans Range Rover, nanana. Il dit que yes, j'entre. On cause, ils font leur petit tontine. Ils causaient quelques millions par mois là. Et voilà. Après ça, on faisait un temps, on un peu une conversation. Il me dit voilà, oui. J'ai acheté un Subway là-bas à Toronto. Il dit, hein? Subway, c'est une chaîne de fast food. Vous connaissez, donc il faut des sandwichs. Donc, de ces moins de 30 ans qu'il avait, son père lui a donné peut-être 15 millions ou 20 millions. Il a acheté une franchise là-bas. Donc, son père a acheté des entreprises en Ben. Mentalement, combien d'entre vous avez vu des Camerounais là-bas en Europe? Voilà, Saint-Thomas d'Aquin, c'était un collège de riches à l'époque à Bafoussam. Combien d'entre vous êtes arrivés en Ben? Jusqu'à tu vois un jeune homme, on s'est dit que ça c'est mon appartement, moi j'ai acheté ça fait 3 ans, oui. Quand je suis arrivé ici, voilà, à Londres, papa a trouvé que faire la location, c'était pas ça, voilà. Et il m'a acheté mon appartement, ma soeur vit, elle vit pas loin d'ici, elle est à Canary Wharf, et puis voilà, elle a son appart aussi. Mais oui, mon appartement donne sur la tour Eiffel. Mais oui, je suis à Paris, j'ai acheté, mon père m'a acheté ça quand j'avais 24 ans, je suis arrivé ici pour mes études, voilà. Vous n'allez plus rencontrer les beaux ailleurs. Hein? Tu me suis? Ton énergie a officiellement changé, ma chérie. Tu n'es plus beaux ailleurs. Tu ne traites plus avec les beaux ailleurs. Ouais, prends 800 euros que l'État te donne. Il faut voir la CAF. Pendant qu'on achète l'appartement de 200 000 à quelqu'un, on donne cash. Je déclare que vous allez changer l'histoire de votre famille au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants sont des enfants des riches à partir d'aujourd'hui. Ton enfant quitte. Oh maman, je veux aller au concert. Je veux aller voir Blue Ivy en concert, maman. Tu débloques même 5 millions là. Même 10 millions. Oui, achète le ticket. Va voir Blue Ivy à Londres. Écoutez, vous allez sentir la richesse. Votre sang va couler, ça va dire que riche, 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 tout, riche, riche, riche. Il y a certains soucis que vous avez, c'est fini. Comment tu dis un jour, Stéphanie? Un jour, c'est quand? Il ne faut pas venir me gâter l'énergie de la place. Hein. Mon fils, un jour, c'est quand?
Parler, ça ne complique pas les choses. Que mes jumeaux vont faire le tour du monde en jet privé. C'est trop long. C'est trop long. Un riche peut avoir le temps de faire le tour du monde. C'est pour les pauvres. C'est le pauvre qui veut montrer que j'ai visité, j'ai visité. Compliquez pas votre énergie. Ah, vous voulez trop, trop. Je vais être associé à Nangote. Laisse d'abord. C'est pour ça qu'elle vous chuchote seulement. Parce qu'elle vous connaît. Je vais être associé à Nangote. Je vais être associé. Non. Nangote va chercher à te connaître toi-même. Pourquoi tu veux forcément que ce soit que je dois connaître Nangote? Ah! On va utiliser ton nom comme référence. Que tu vois la fille là, non? Oui. La fille qui venait de Toumang là. Oui, maintenant elle traite seulement avec les. Voilà. Vous gâtez votre énergie. Vanessa, ne commente même plus. Ne commente plus. Gâtez mon énergie. Elle limite tes commentaires là, ça, ça sent la pauvreté. Quand tu veux t'enrichir, quand je vous dis, j'ai dit ici tout à l'heure que chuchoter que vous êtes riche. Vous voulez seulement crier. J'ai vu un riche qui court pour montrer à quelqu'un qu'il est riche. Parfois tu arrives à côté de lui, tu vois, tu, c'est toi qui compte ces choses qu'il a dépensées. Que si j'ai si, si la pris, attends, si un coûte tel nombre, 100 000, je vois d'abord les valises de voyage qu'ils ont, les valises seulement de 2 millions. Ah, je vois le vol, je vois la période de l'année où ils voyagent. 6 personnes ont voyagé, le ticket c'est 2 millions par personne. Ah, voilà comment on voit les riches. Pas pour bêtises là. Pensez comme un riche, c'est une autre dimension, hein. C'est les pauvres qui veulent se casser. Hein? Hein? J'ai vu dans mon dos. Chill. Baby, calm down. Calm down. Tu envoies ton enfant à l'université, tu lui prends un appartement de 3 chambres. 200 000 le mois. Pendant que les gens payent 25 000 ou 20 000, même 15 000 pour la chambre de leurs enfants. Il a la voiture pour aller à l'université. La voiture. Écrivez cela, mes enfants sont des enfants des riches. Il y a les luxes que c'est le luxe pour toi pour l'instant. Bientôt, il y en a parmi vous comme le iPhone 13, la 14, tu peux acheter non. Bientôt, tu vas acheter le iPhone 14, tu vas donner à ton enfant. Tu sais, quand tu donnes quelque chose à l'enfant, c'est parce que c'est à gâter non. C'est parce que c'est les plus gars. Arrêtez maintenant de faire ça. Achetez des trucs neufs, vous donnez à vos enfants. Achetez des trucs bien, vous donnez à vos enfants. Récemment, il y a quelqu'un qui a offert des choses à mes enfants. Et là-dedans, il y avait des parfums. Mais la personne est partie acheter des parfums de 3 000, 5 000 là. Il disait que c'est la personne pour le divertir, va commencer à dire que wow, donc tu vas simplifier. Je suis désolée, mes enfants ne mettent plus déjà des parfums là. Hmm? Non, mes enfants ne mettent plus ça. Ton enfant a 18 ans, tu l'envoies faire l'auto-école. Quand tu achètes sa voiture, tu donnes. La voiture te dépasse à acheter. Achète pour l'enfant. C'est là que tu vas confirmer que tu es en train d'entrer dans une autre dimension de richesse. Je vous libère de la pauvreté. Il y a des choses que vos parents ne vous ont pas fait découvrir. C'est à 40 ans que tu cherches à avoir ta première voiture. Chai. Imagine si on t'avait acheté la voiture à 19 ans.
20 ans, 21 ans, 22 ans, peut-être à 23 ans, tu changes de modèle. Tu veux savoir le degré de maturité qu'un enfant a quand il conduit là sa propre voiture? Je vous libère de la pauvreté. Je vous fais entrer dans votre dimension de richesse. Richesse tranquille. Richesse tranquille, qui ne bavarde pas trop. Votre vie a changé. Officiellement, je change votre énergie. Et je déclare. Tu écris à la CAF, tu dis « Cher CAF ». À partir d'aujourd'hui, je suis riche, donc je n'ai plus besoin de vos petits 500 euros que vous me donnez. Comment donnons 500 euros, on va venir te frustrer. Madame, vous allez recevoir une visite de votre maison. Nous allons checker vos relevés bancaires pour voir exactement si c'est le seul argent que vous recevez. Tu as peur. Tu ne peux pas faire ton petit business qui va grandir, devenir grand business. Je vous libère des allocations. Je vous libère des allocations. Et si vous savez que ça demande un acte de foi, quand tu sais que je n'ai plus le compte à rendre à quelqu'un, à la CAF, et c'est que tu crois que tu vas mourir sans l'argent de la CAF. On va voir si tu vas mourir, ma chérie. Celle qui veut se débarrasser des dépenses inutiles. Les riches, en fait, l'argent circule dans leurs mains. Ce n'est pas parce que tu as pris l'argent, tu as déposé. Tu peux prendre, tu as plusieurs business. Plusieurs. Ça, ça produit l'argent après une semaine. L'autre produit tous les mois. L'autre produit après un an. L'autre produit après ceci. Tu prends ton argent, tu le déposes. Tu prends ton argent, tu le déposes. Quand on a un, tu le déposes. Tu vas arrêter tes sorties financières. Maintenant, quand vous allez vous coucher ce soir, laissez le Seigneur opérer sur vous. Laissez le Saint-Esprit vous libérer de la peur. Peur de perdre ce que vous avez. Peur de tomber. Peur que l'argent n'entre plus. Parce que tu sais quoi? L'argent va entrer encore plus.
D'accord. Bon, je vous remercie. Regardez ceci encore. Vous allez commencer à avoir les réflexions de riches. Vous allez commencer à avoir les actions de riches. Oui. Au nom de Jésus, je vous bénis.